Bonjour à tous mes webpies, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle édition de ce tag On My Shelf où je vous montre en fait quelques livres de ma bibliothèque avec et en utilisant toujours les numéros que vous m'aviez donnés il y a un bon moment maintenant sous un petit encart Instagram où je vous posais la question pour participer et pour un petit peu découvrir les titres de ma bibliothèque que vous voyez derrière, c'est ma bibliothèque principale où il y a ma pile à lire, mes livres lus, voilà. Et d'autres sont entreposés un peu ailleurs, mais voilà, c'est le plus gros de mes livres sont là. Et donc, on va continuer de parcourir cette bibliothèque. J'ai les titres devant moi, ça n'a pas été chose aisée de les sélectionner encore parce que ça change toujours un petit peu avec les réceptions, les livres qui s'en vont, que je prête ou autre. Donc, c'est bon, j'ai mes 10 titres et on est parti. Avec le numéro 11 de Tiffany Bleu, on tombe donc sur un Virginie Grimaldi qui est dans ma pile à lire, si tu comprendras quand tu seras plus grande. Et bon, c'est un Virginie Grimaldi, moi pour le moment j'en ai lu qu'un seul, j'avais adoré, je m'étais hyper bien identifiée à l'héroïne, quoique je n'étais pas du tout dans la même situation qu'elle, et pour autant j'avais vécu les situations avec elle, j'avais trouvé ça très immersif, très bien. J'aimais beaucoup l'écriture, je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais moi c'est une écriture très fluide à laquelle j'avais vraiment bien accroché. Donc voilà, c'est un Virginie Grimaldi où il se passe quoi d'ailleurs? On est avec des pensionnaires âgés, avec une jeune femme qui va devoir exercer son métier dans une sorte de pensionnat, de maison de retraite en quelque sorte. Je sais pas vraiment si c'est pour des personnes en difficulté ou autre, mais je sais que c'est simplement des personnes âgées et en fait elle va s'enrichir au maximum. C'est une histoire qui apparemment est très belle, très touchante, qui est pleine d'amour, d'amitié, liée avec ces personnes âgées qui vont compter et raconter leur expérience avec beaucoup d'humanité, avec beaucoup d'amour, de respect. Et moi j'adore quand il y a des personnes âgées dans les romans, voilà, c'est une petite touche que j'aime toujours beaucoup, qui m'attendrit énormément en fait, j'aime beaucoup ça. Donc je pense clairement que ce Virginie Grimaldi a tout pour me plaire, et c'est vrai que par exemple là pour cet été, ça pourrait être vraiment une lecture très chouette. J'aimerais bien me lire un Virginie Grimaldi dans l'été, je pense que je vais en glisser un dans ma pile à lire solaire de l'été, et pourquoi pas celui-là. Merci pour ton numéro. Ensuite, Amélie de la Lune me donne le numéro 88, et là c'est rigolo parce qu'on tombe sur un titre astronomique, et oui, avec Twinkle Star, vous saviez ce manga dont je vous avais parlé. Il s'agit de Twinkle Star de Natsuki Takaya, le chant des étoiles, donc ici c'est le tome 2, mais bon voilà, du coup ça tombe sur cette saga là, c'est publié chez Delcourt et c'est une saga que je n'avais pas très appréciée. Je pense d'ailleurs que je vais m'en débarrasser, c'est très joli hein, niveau visuel, c'est un shoujo qui est plutôt plaisant, mais pour autant moi j'avais pas du tout accroché à cette histoire où l'histoire d'amour va très vite, où ce garçon développe une sorte de fascination pour la jeune femme, on sait même pas trop pourquoi. Enfin, moi, c'est ces genres de codes qui ne m'attachent pas au personnage, qui ne m'intriguent pas, et ça a plus tendance à m'énerver en fait. Il faut vraiment que ce soit bien maîtrisé, même si évidemment, je sais que l'amour, les coups de foudre, c'est pas perçu pareil au Japon, et il y a beaucoup d'histoires comme ça. Mais pour autant, voilà, il faut que ce soit quand même bien fait, et que ce soit un minimum cohérent pour que j'adhère. Et là, il y avait plein de choses qui m'avaient dérangée dans ce récit-là. On est sur un mystérieux garçon donc qui se prend de passion pour une jeune femme. Elle comprend pas trop pourquoi il atterrit comme ça dans sa vie. Et clairement, moi, je l'aurais viré en deux temps trois mouvements. Mais non, elle persiste. Oh non. Je déteste entendre les pompiers. J'espère qu'il n'y a pas eu quelque chose de grave. Je déteste ça. Bon. Et du coup, moi je l'aurais viré en deux secondes, je vous disais, mais non, elle persiste, elle essaye de comprendre pourquoi il est là, pourquoi il la traque en fait, mais bon. Bref, autour de ça, il y a une sorte de club d'astronomie, je crois, parce que le jeune homme est fasciné par l'astronomie, les étoiles, le ciel, et il apprend tout ça. Donc là, ce petit aspect un petit peu lunaire m'avait plu, mais voilà, pour moi c'était pas suffisant, j'arrivais pas à accrocher, j'arrivais pas à adhérer, j'avais pas envie de savoir la suite. Donc je pense que j'ai les deux premiers tomes et je m'en débarrasserai. C'est un livre qui va quitter ma bibliothèque, je pense, sous peu. Voilà. On tombe ensuite de l'autre côté de ma bibliothèque de manga avec le numéro 205 de GBooksRead. Et là, on tombe sur une valeur sûre que j'ai à peine commencé puisque j'ai lu seulement les deux premiers tomes. Mais il s'agit de la saga emblématique, iconique, Black Butler, qui a été également adaptée en animé, que je n'ai toujours pas vu. J'aimerais bien me focaliser sur le manga vraiment d'abord. C'est publié chez Éditions Kana, c'est des livres
canon. Il y a une esthétique incroyable dans Black Butler, clairement. On a des personnages qui sont hyper charismatiques, hyper sexy également. Franchement, moi, j'aime beaucoup. On est ici sur une histoire avec ce majordome. Il est là, Sébastien, qui est trop canon et qui est donc au service de son maître qui est... Comment il s'appelle déjà ? Ciel Phantom Hive. J'adore, il est trop beau. Attendez, je vous le montre. Non, mais j'adore Ciel. Là, je sais pas si vous voyez, il a un petit truc là, parce qu'il est borné. Enfin, bref, il est trop canon aussi. Je les aime trop tous les deux. Et du coup, bah voilà, on est sur de la noblesse anglaise. Hein. Ciel Phantom Hive, il est l'héritier d'une famille très très riche. Et on y suit donc les aventures de Sébastien, qui est le majordome, donc qui est chargé d'un petit peu tout. Et il n'y a pas de souci, franchement, en termes d'art culinaire, d'éducation, d'érudition, de garde du corps, en fait. Il n'y a rien à redire, il est parfait. Sauf que il est peut-être lié à quelque chose de plus puissant qu'on ne le pense et c'est juste trop 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 bien. On découvre sa vraie nature donc au fur et à mesure et franchement c'est des tomes qui sont très dynamiques. Moi je me rappelle avoir eu quelques soucis avec les personnages secondaires qui m'avaient un petit peu saoulée et du coup moi j'étais très attachée aux deux personnages principaux que l'on voit donc Sébastien qui est le personnage central de l'histoire et cet héritier Ciel Phantom Hive qui est trop canon aussi. Et les autres, ils m'avaient saoulée, j'avais eu un peu de mal avec l'humour de ce livre, mais pour autant, j'avais trop aimé ce début de saga, donc je pense que je le poursuivrai. Par contre, il y a un nombre de tomes incalculables, je ne sais plus du tout, la série est toujours en cours, mais le dernier est sorti très très récemment, là je ne sais plus combien on est, mais c'est déjà une série qui est bien bien avancée, c'est pour ça que je peine un peu et que j'essaierai de me les trouver en occasion en fait, au fur et à mesure. Mais c'est trop bien. Franchement, c'est un bon titre. Je pense que c'est une saga qui est devenue iconique, avec cet aspect un petit peu gothique. On a des combats, on a du suspense, on a de l'action, hein, clairement. Donc c'est trop bien. Là, avec le numéro 157 de Nini Bouki, on part sur un roman qui change complètement. Hein. On part dans un autre siècle, on part dans une autre histoire, donc quelque chose de beaucoup plus réaliste avec la cavale irlandaise de Walter Macken que je n'ai toujours pas lu. Je l'avais mis dans un challenge et c'était un des seuls livres que j'avais pas lu de mon challenge, je crois. Et j'ai très très envie de le lire. C'est un livre qui est écrit assez gros, c'est un livre jeunesse. Et je pense qu'il va falloir que je me le fasse quand même, que j'arrive à me le caser. C'est un livre que j'avais récupéré dans la bibliothèque de ma sœur. Donc c'est un livre qui est provisoirement dans ma bibliothèque mais qui la quittera dès que je l'aurai lu pour lui restituer son bien. Hein, quoi. Et voilà, donc... C'est trop mignon, je vous lis le petit pitch qu'on a derrière, c'est très court. Pour échapper à la brutalité de leur tuteur, deux enfants traversent l'Irlande dans l'espoir de rejoindre leur grand-mère. Ils font la une des journaux, sont poursuivis par la police et ne devront leur survie qu'à leur courage et leur ténacité. Parviendront-ils à retrouver un vrai foyer ? Je pense que ça va être trop bien, rien que le fait de me dire qu'on va un petit peu traverser les Landes irlandaises comme ça avec une sorte de fugue, de fuite en fait, hein, avec la poursuite peut-être voilà, de la police, effectivement les médias qui doivent un petit peu s'affoler, la disparition d'enfants, donc voilà, je pense que ça va être trop trop bien et j'ai hâte, je crois que ma sœur en avait eu un super bon souvenir de ce livre-là, elle avait aimé et je pense que franchement cette ambiance celtique ne peut que me plaire, en plus on est avec des enfants, donc voilà, je pense que ce livre a certains éléments qui peuvent vraiment me faire passer un bon moment de lecture. Donc voilà, ce titre qui est assez vieux, mais que j'ai hâte de découvrir pour après qu'il quitte ma bibliothèque, et si vraiment vraiment je l'adore, je verrai, je négocierai avec ma sœur, ou alors je me le reprocurerai si vraiment je l'adore, je le trouve trop beau en plus. J'adore ces couvertures un peu old school, la vintage, je le trouve trop trop beau. Bref, voilà, c'est un titre qui m'intrigue énormément. Et ensuite, Moxie 16 nous donne bien évidemment le numéro 16. Et là, on tombe sur un pavé, c'est un petit pavé poche, qui est plus un essai, une publication scientifique en quelque sorte, puisque c'est Darwin, l'origine des espèces. Le fameux, le très 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 connu, l'ouvrage le plus connu de Darwin et la théorie de l'évolution. Voilà, vous en avez tous entendu parler. Moi c'est un livre que j'ai dû lire, mais que j'ai lu avec un grand 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 plaisir pendant mes études de biologie. Et c'est fascinant. C'est fascinant, la théorie d'origine des espèces. Après on y croit, on n'y croit pas. Il y en a aussi qui sont très très focalisés sur la théorie créationniste. Donc voilà, c'est les croyances, les fascinations. On ne peut pas trop trop lutter, même si là, carrément, on a...
quand même des explications scientifiques qui sont très valables, qui sont très tenaces. Et moi, c'est vraiment une théorie à laquelle je crois et qui me paraît la plus plausible, la plus probable en tout cas pour l'évolution des espèces. Donc, c'est trop bien, c'est trop bien. Moi, c'est un must-have de ma bibliothèque. Je sais que on peut tomber comme ça à tout moment. Attendez, des découpages qui sont un petit peu particuliers parce qu'on a des sous-chapitres et tout. Donc, mais c'est trop bien, hein. Bah, on a toutes les lois qui régissent le fonctionnement des espèces, la stérilité, l'évolution, on a tout, c'est trop trop bien. Pouvons-nous croire que la sélection naturelle puisse produire d'une part des organes insignifiants tels que la queue de la girafe, qui sert de chasse-mouche, et d'autre part un organe aussi important que l'œil, dont nous ne comprenons pas encore totalement la perfection inimitable. Peut-être n'avez-vous jamais entendu parler de cette référence scientifique, mais voilà, sachez que l'origine des espèces, c'est vraiment un ouvrage, je dirais un ouvrage scientifique, une sorte de publication qui fait référence pour cette théorie de l'évolution des espèces, donc énoncée en premier par Darwin et qui après a eu un grand nombre de suivants, je dirais, qui ont soutenu cette thèse et qui ont fait en fait que cette thèse et que cette hypothèse est toujours d'actualité aujourd'hui et qui est l'hypothèse la plus préconisée pour l'origine de la vie et pour l'évolution des espèces. Je vous lis juste le petit truc de présentation, les quelques premières lignes pour vous situer un petit peu de quoi il s'agit, est-ce que ça pourrait vous intéresser ou pas, mais sachez vraiment que c'est un ouvrage scientifique, ce n'est pas une histoire, un récit avec des personnages et autres, c'est vraiment une sorte de débat scientifique autour de l'évolution des espèces. Donc si vous êtes attiré par ça, si la nature, les animaux et leur évolution, leurs caractéristiques, tout ça vous intéresse, ça peut vraiment, vraiment vous plaire. L'origine des espèces a valu à Darwin une célébrité qui s'étend bien au-delà des cercles professionnels de la biologie et de l'histoire des sciences. Et la date de parution de sa première édition, 1859, hein, on remonte quand même au 19e siècle, est souvent considérée comme la date de naissance de la théorie de l'évolution, ce que je vous disais. Tout cela ne va pas sans quelques simplifications. Darwin n'est pas l'homme d'un seul livre en dehors de l'origine des espèces et du récit de son voyage autour du monde. On lui doit une douzaine d'autres ouvrages qui portent sur des sujets aussi divers que la formation des récifs de corail, le mouvement des plantes grimpantes, la fécondation des orchidées ou le rôle des lombriques dans la formation de la terre végétale. Voilà, vous voyez un petit peu à quoi ça peut ressembler en fait et c'est trop bien, voilà. Si vous intéressez un petit peu à la nature, au fonctionnement, à comment on en est arrivé là en fait, comment on en est arrivé à avoir toute cette diversification des espèces, ce monde incroyable et aussi riche, varié en espèces différentes, eh bien ça peut vous intéresser. Moi c'est vraiment, vraiment, je vous dis, un must-have de ma bibliothèque. J'adore ce livre, j'adore cette couverture. Voilà, moi c'est quoi? C'est les éditions Flammarion. C'est vraiment le livre que j'avais acheté pour mes études, hein, que j'ai gardé et que j'adore parce que voilà, Darwin, l'origine des espèces, trop beau. Et j'aime trop. Voilà. Ensuite, il y a Mad Girl with a Book, Maclo, qui a donné le numéro 23. Et ça tombe sur celui-ci qui est trop trop bien et que je n'ai pas terminé alors que ça me plaisait beaucoup. J'en suis à un petit peu plus de la moitié. Il s'agit de Je suis née un jour bleu de Daniel Tammet. Et c'est très 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 prenant. C'est aux éditions J'ai lu et en fait, on est à l'intérieur du cerveau extraordinaire d'un savant autiste atteint du syndrome d'Asperger. C'est absolument fascinant. J'étais bouche bée devant cet ouvrage. Pareil, je pense qu'il y a nécessité que je vous lise la première page pour que vous captiez un petit peu l'aspect de ce livre et le sens, en fait, le déroulé un petit peu de ce que peut être ce livre. Je suis née le 31 janvier 1979. Un mercredi, je le sais parce que dans mon esprit, le 31 janvier 1979 est bleu. Les mercredis sont d'ailleurs toujours bleus, de même que le nombre 9 ou le bruit d'une dispute. J'aime la date de mon anniversaire parce que lorsque je visualise les nombres qui la composent, je vois leur forme lisse et ronde, comme des galets sur une plage. Il s'agit des nombres premiers, le 31, le 19, le 199, le 97, le 79 et le 1979, qui ne sont divisibles que par eux-mêmes et par un. Cette impression immédiate de galet me permet de reconnaître chaque nombre premier jusqu'à 9973. C'est ainsi que mon cerveau fonctionne. Je suis atteint de ce que l'on appelle le syndrome savant, un syndrome rare et peu connu avant le film Rain Man, récompensé par un Oscar en 1988. Que j'ai adoré. D'ailleurs, ce film, si vous ne l'avez pas vu, Rain Man, il m'avait touché en plein cœur avec Dustin Hoffman, je crois, dans le rôle principal de l'autiste, qui était juste absolument fou. Et voilà, donc c'est le syndrome savant, donc c'est un autiste Asperger
au syndrome savant, donc c'est vraiment un autisme très poussé, très particulier. Et en fait, on y découvre que cette personne, elle s'en est très bien sortie dans la vie, et comme c'est le cas pour pas mal d'autistes Asperger au final, parce qu'ils ont une vision différente de la vie, mais c'est pas un handicap, un autisme tel que la trisomie 21 par exemple, qui est assez handicapante dans la vie de tous les jours. Effectivement, l'autiste Asperger, c'est complètement différent, et là le syndrome savant, c'est complètement différent. Alors effectivement, il y a des troubles qui font que la vie est plus compliquée, parce que ce n'est pas la vision globale de tout un chacun, et qu'ils ont vraiment leur propre vision du monde, et comme je vous dis, c'est quand même incroyable de s'imaginer des nombres et de leur attribuer des formes. C'est comme, il voit en fait des formes, par exemple, attribuées aux nombres, donc il identifie très rapidement à quoi correspond. Enfin, c'est fascinant. Et du coup, dans le livre, il y a plein de comparaisons comme ça, qu'il nous énonce en fait comment il voit le monde, et ouais, ça me donne trop envie de m'y replonger en fait en vous parlant de ça. Je ne sais plus du tout ce qui m'avait fait sortir de ce livre. Je me rappelle que je l'avais lu un été chez mes parents, mais je sais plus du tout ce qui m'avait fait sortir du livre pour que je le quitte, parce que j'adorais et on y comprend tout. Je m'étais arrêtée, ben voilà, à l'époque à peu près de son adolescence, et c'est trop bien. Donc voilà, c'est un livre que je n'ai pas terminé, mais dont j'ai déjà une bonne vision, et c'est vraiment très sympa. Je suis consciente que c'est pas un thème qui peut intéresser tout le monde, mais franchement, si vous êtes un petit peu curieux et que effectivement les troubles autistiques vous intéressent également, ben foncez, franchement foncez, parce que moi j'ai été scotchée devant ce livre. Je trouvais ça mais tellement fascinant, tellement intéressant de se plonger un petit peu dans la tête d'un syndrome savant comme ça. C'est formidable, c'est vraiment impressionnant. La différente vision du monde que les gens peuvent avoir, et la vision de cette personne, bah c'est un autre monde en fait qu'elle voit. On dirait que c'est pas le même que nous, c'est fou. Vraiment c'est fou. On a All Lucky Charm qui nous donne le numéro 22. Juste avant, on est resté juste à côté, et je tombe donc sur Les Fleurs du Mal de Charles Baudelaire, qui est un ouvrage de ma maman, qui a rejoint ma bibliothèque et donc ma pile à lire tout récemment, puisque je l'ai mis dans mon challenge Big 12 Challenge pour la catégorie poésie. J'ai trop hâte. Depuis le temps en fait qu'elle m'en parle, depuis le temps que j'entends parler de cet ouvrage absolument classique et mémorable, Les Fleurs du Mal, qui y est cité et recité dans plein d'ouvrages, c'est vraiment quelque chose d'iconique quand même, et c'est un des livres préférés de ma mère, donc j'ai vraiment très envie de le lire. Je l'ai mis dans mon challenge, donc je ne sais pas encore quel mois je vais le lire, puisque là, moi, je suis en train de lire Jane Eyre pour mon mois de juin. Jusqu'à présent, ben, j'ai fait mon challenge correctement, j'ai lu un livre par mois, et je me suis fixé ma pile à lire, donc c'est très bien. Je ne sais pas en juillet ce que je lirai, je ne sais pas du tout, du coup, quand est-ce que je vais le caler, mais c'est pour bientôt. Voici un petit extrait. Faut-il vous dire, à vous qui ne l'avez pas plus deviné que les autres, que dans ce livre atroce j'ai mis tout mon cœur, toute ma tendresse, toute ma religion, travestie, toute ma haine. Il est vrai que j'écrirai le contraire, que je jurerai, mes grands dieux, que c'est un livre d'art pur, de singerie, de jonglerie, et je mentirai comme un arracheur de dents. Voilà, donc je pense que ça va beaucoup me plaire. J'aime bien la poésie, j'en lis pas assez, clairement j'en lis pas assez, et c'est aussi difficile de tomber sur des ouvrages de poésie qui nous parle, et j'espère que celui-là me parlera, vraiment. Je l'espère de tout cœur, j'espère aimer, j'espère que... J'aimerais que ça devienne une référence pour moi, parce que comme ça l'est pour ma maman, ça me plairait vraiment de, voilà, de l'ajouter un petit peu à mes références de littérature et de poésie. Et on reste dans les 20, puisque Tara Ojal nous donne le numéro 24. Nous avions une succession, là ça a été très pratique pour sélectionner. On est ici sur du Jules Verne, de La Terre à la Lune, que j'avais commencé, et franchement je m'étais arrêtée vraiment très tôt, à la page 40. J'avais eu beaucoup de mal avec ce livre, donc il faudra vraiment que je lui redonne sa chance. C'est un grand classique, c'est du Jules Verne, et moi je n'ai jamais lu Jules Verne. C'était celui-là qui m'attirait le plus, parce que bah, de la Terre à la Lune, vous savez que j'ai une fascination pour la Lune, donc franchement ça me plaisait énormément de m'intéresser à ce titre-là. Sauf que j'ai eu beaucoup de mal parce que c'est très politique,
C'est très politique et je déteste la politique, sachez-le. Du coup, Jules Verne, de la Terre à la Lune. À la fin de la guerre fédérale des États-Unis, les fanatiques artilleurs de Gun Club, le club canon de Baltimore, sont bien désœuvrés. Un beau jour, le président Impey Barbicane leur fait une proposition qui, le premier moment de stupeur passée, est accueillie avec un enthousiasme délirant. Il s'agit de mettre en communication avec la Lune en y envoyant un boulet, un énorme projectile qui serait lancé par un gigantesque canon. Tandis que ce projet inouï est en voie d'exécution, un Parisien, Michel Ardan, un de ces originaux que le créateur invente dans un moment de fantaisie et dont il brise aussitôt le moule, télégraphie à Barbicane, remplacé obus sphérique par projectile cylindroconique, partirait dedans. Avec ses personnages parfaitement campés, son humour toujours présent, de la Terre à la Lune est une des grandes œuvres de Jules Verne, une de ses plus audacieuses anticipations. Je ne sais que vous dire d'autre, ça m'avait pas trop plu. Alors le livre est très joli. Hein. Le livre est super joli, on est aux éditions J'ai lu, non ? Ouais, ah non, le livre de poche. Le livre de poche, c'est très joli, il y a des illustrations à l'intérieur. Vous voyez, il y a des jolies illustrations. Tout du long, hein, un petit peu du livre. Hein. C'est super beau et franchement, il faudrait vraiment que je le continue, mais quand je l'avais entamé, c'était barbant en fait. Voilà, le début c'était très barbant. Après, peut-être si on est très intéressé par la politique et tout, mais moi, toutes ces discussions là, ça m'avait vraiment saoulé. Donc voilà, il faudrait peut-être que je lui donne une seconde chance, surtout si vous adorez ce livre. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous avez eu des échos, si vous l'avez déjà lu. Pourquoi pas essayer de le retenter, mais. En plus, il est petit, hein, c'est un livre de moins de 200 pages, 250 pages. Donc bon, ça, c'est facilement faisable, hein, mais faut-il encore être vraiment très intéressé par le truc. Donc. Et là, j'ai dû recompter pas mal avec Nekosis qui nous donne le numéro 156 et on tombe sur Une vie de chien, ce livre que j'ai lu, mais il y a des années. Donc je vais relire avec vous le résumé, même si j'en ai un très bon souvenir de ce livre, un livre qui m'avait fait pleurer, qui m'avait ému. Puisqu'on suit la vie d'un chien errant, et que vous dire. Voilà, c'est larmoyant, hein. C'est un livre qui est larmoyant, c'est très émouvant en fait, et voilà, si vous êtes un petit peu impliqué pour la cause animale, si forcément cette cause vous touche, bah l'abandon, ce genre de thème est lié, quoi. Donc ça, je pense qu'on ne peut pas rester insensible, c'est vraiment le genre d'histoire, le genre de livre où je me demande comment on peut rester insensible, en fait. C'était un super joli livre, il est en hardback. Hop, il est tout noir, comme ça, avec juste marqué Une vie de chien, mais c'est vraiment une vieille édition. Je sais pas si c'était pas sur France Loisirs à l'époque où ma maman nous avait abonnés quand on était plus jeune. Est-ce que ça sera pas France Loisirs ? Oui, édition France Loisirs, génial. Donc, bah, Une vie de chien de Anne M. Martin, autobiographie d'un chien errant. C'est. Préparez-vous, quoi. Préparez-vous si le titre vous tente. Alors, il est écrit très gros, hein. Ça se lit assez facilement. C'est très lisible. Je lis avec vous le résumé. Le jour où son frère disparaît, Squirrel se retrouve seule au monde. Désormais, elle doit apprendre à se débrouiller par elle-même. Cette petite chienne solitaire mais téméraire parcourt alors les routes à la recherche de nourriture, d'un abri, de sécurité. Elle brave mille dangers, faisant des rencontres dangereuses et côtoyant des humains tantôt amicaux, tantôt cruels. Et au fond d'elle, Squirrel ne rêve que d'une chose, trouver quelqu'un qui voudra bien lui donner un peu d'affection. Ça m'émeut, mais rien que d'y penser, parce que j'ai des scènes qui me reviennent en tête, c'est vrai, et ça m'avait marqué certaines rencontres en fait que fait ce chien, et je me dis, mais... Quand on lit ce livre, on pense à tous les animaux errants qui sont là, qui en bavent les pauvres par la cruauté des humains parce que un beau jour, ils ont été abandonnés. Enfin, c'est magnifique, ça me donne envie de le relire en fait. Et moi, c'est ce genre de livre qui me bouleverse. Donc là, je vais éviter, je n'ai pas envie forcément d'être hyper bouleversée en ce moment. Si vous avez d'autres livres dans le style à me conseiller, voilà, ce genre de thème-là, quoi. Où on se met à la place des animaux errants, ou pas, hein, même pas forcément errants, mais c'était bouleversant, c'était beau, et ça nous rappelle à quel point ils sont inoffensifs et qu'ils cherchent juste de l'amour, quoi, ces pauvres bêtes, et c'était trop beau.
Voilà, je m'arrête. Et enfin, Caroline de Top Box nous donne le numéro 92. Ça tombe bien puisque je crois bien qu'elle aime, elle aime bien les animés ou les ambiances japonisantes, tout ça. Et puis là, on tombe sur un manga, donc ça tombe plutôt bien. Le tome 6 de l'Atelier des Sorciers qui représente donc la saga, l'Atelier des Sorciers, qu'on ne présente plus. Mais du coup, je suis contente de vous en reparler un petit peu dans cette vidéo. Une très 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 jolie série. Je ne suis pas à jour puisque le tome 6 est le dernier que je possède. Je crois qu'on en est au tome 8. Va sortir le tome 9, je crois, si je dis pas de bêtises, surtout reprenez-moi si c'est le cas. Moi c'est une saga qui me plaît énormément. J'ai accroché dès le premier tome, hein. En vrai, j'ai accroché dès le premier tome. Qu'est-ce que c'est beau! Oh, je le feuillette, là ça me donne trop envie m'y replonger. Qu'est-ce que c'est beau! On est dans un univers magique, avec un univers de magie que moi j'avais trouvé très original parce que je n'avais pas encore vu ce genre d'univers magique aussi. Aussi travaillé, qui se détachait un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, puisqu'ici la magie se dessine avec des pentacles et on a tout un tas de sorts associés à une telle combinaison de dessins. Enfin, c'est vraiment très très beau, c'est très dans le spontané, dans l'instantané en fait, avec cette magie qui doit se réfléchir et s'organiser très très vite et en même temps... Le talent de certains magiciens, c'est là que tout se joue. Et là, on suit en fait l'apprentissage de la jeune Coco, qui n'a rien pour être magicienne au début, puisqu'il me semble que les magiciens sont magiciens de naissance. Il y a quelque chose, je ne me rappelle plus, mais qui les différencie des humains classiques, en fait. Et elle n'a rien pour être magicienne à la base, sauf qu'elle va apercevoir un magicien opérer, en fait, faire ses dessins, tout ça. Et ça va lui donner trop envie d'apprendre et je ne sais plus par quel moyen elle tombe dans ce truc, elle tombe dans la magie et elle est prise donc sous l'aile de son mentor qui est Fer, qui est génial, trop génial ce magicien. Et voilà, et on va suivre ses aventures, elle va rejoindre d'autres magiciens, magiciennes, apprentis, elle va faire des rencontres et il y a une sorte de confrérie. La confrérie du capuchon qui est à sa recherche, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Il y a énormément de mystères et de tout un tas d'actions qui se déroulent autour de cet univers. Pour autant, c'est quand même un univers et un manga qui prend son temps, qui est posé, qui installe bien ses personnages. Et il y a des tomes où il ne se passe pas vraiment grand-chose, mais si ce n'est l'apprentissage, des fois peut-être un peu plus tranche de vie. Vous savez à quel point ça ne me dérange pas et je pense que c'est aussi pour ça que j'adore cet homme-là. J'ai entendu dire que dans l'avant-dernier ou le dernier sorti, là, il y a un cran dans l'histoire, donc ça me donne vraiment envie d'y me replonger. C'est aussi un sentiment que j'ai eu, je trouve que c'est une saga qui prend son temps, mais regardez-moi ça, c'est absolument sublime. Hein. Il y a aussi des artbooks qui sont sortis d'ailleurs de cette saga parce qu'elle a vraiment une esthétique qui est assez époustouflante et puis qui est toujours... très apprécié, hein, le domaine de la magie, il y a moyen de faire vraiment des très 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 jolies choses. Non mais regardez, c'est à tomber. Franchement, je trouve que au niveau des illus, c'est magnifique, l'univers est fantastique et je peux que vous le recommander. Franchement, si vous aimez la magie, si vous aimez les univers bien installés, avec des mystères en fond, des personnages trop mignons, on a vraiment vraiment quelque chose de trop beau si vous aimez la magie. Go, 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 go. Et voilà mes wapis, je vous ai parlé de tous ces livres, une dizaine au total, et je remarque qu'il n'y avait aucun grand format. D'ailleurs, on est tombé sur aucun grand format pour cette édition-là. Du coup, je pense que j'aurai encore matière à faire une ou deux vidéos du style avec toutes les propositions que vous m'aviez faites. Franchement, c'était assez ouf, mais du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas, est-ce que ça vous plairait de revoir encore une vidéo, peut-être dans un mois ou deux, de ce type-là. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié celle-ci. Moi, je vous fais à tous de gros 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 bisous. Je vous dis de garder bien en tête que les passions n'ont pas d'âge. Alors régalez-vous et vivez-les à fond. Je vous fais à tous de gros bisous. Ciao tout le monde !